Oh là là, incroyable les amis, évidemment, la bise à tout. Ah, je viens d'en verser. Non, je viens d'en verser sur mon clavier. La bise à tout. Salut à tous, c'est Philon, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans la suite du Let's Play Pokémon YouTube. Et aujourd'hui, vous m'avez demandé de faire une dégustation. Et je vous propose qu'on passe tout de suite dessus, parce que moi, vous savez, j'aime beaucoup David Lafarge. Hey, salut à tous les amis, c'est David Lafarge Pokémon. Et du coup, je vais vous faire une dégustation à la David. Alors attendez, comment je fais? Il faudrait que je surélève ma dégustation. Alors attendez, qu'est-ce que je pourrais utiliser pour surélever ma dégustation? Ça devrait être assez haut là. Voilà, j'ai une pile. C'est génial, c'est presque ça. Ah, c'est parfait. C'est parfait. Hey, salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. C'est Fildrong, on se retrouve aujourd'hui. Je suis accompagné de moi-même, mais je vais quand même faire le coucou. Et aujourd'hui, les amis, c'est incroyable, les amis, nous allons déguster un régal de canard au jus de truffe. 20% foie gras de canard. Incroyable, les amis, c'est vraiment un article de luxe ramené par ma soeur de vacances. Incroyable, les amis, j'ai ici deux biscottes et un ouverteur. Et nous allons ouverturer. Oh putain, alors c'est un... Ne faites pas ça chez vous, les amis. Oh yeah. What the ? C'est bon. Mais qu'est-ce que je fais de ma vie ? C'est de ça dont je rêvais quand j'étais petit. D'ouvrir des boîtes de conserve à la David Lafarge et d'en faire un let's play sur Pokémon Trash. Fildrong, t'es meilleur que ça. Qu'est-ce que tu fais ? Fildrong, arrête ! Et voilà ! Oh là là ! Incroyable les amis ! Évidemment, la bise à tout ! Ah, je viens d'en verser! Non, je viens d'en verser sur mon clavier! Ah non! Mon clavier! Vite! Vite, une éponge! Non, qu'est-ce que j'ai fait? Ça a coulé! Bref. Les amis, je m'en vais déguster sur ma biscotte. C'est pas très appétissant, mais c'est du truc au jus de truffe, hein. Alors, attendez. Je me fais ma tartine. What the fuck, les amis? Non, j'ai cassé ma biscotte. Putain, j'arrête pas de casser ma biscotte, sa mère. What the fuck, les amis? Regardez ma bi... Oh, what the fuck? Putain, ma bi... Ok. Ma biscotte est morte. Allez, la dégustation. Sa mère. C'est bon. Attendez, je vous fais un peu d'ASMR. C'est très bon. C'était ma dégustation. Abonnez-vous à ma chaîne. Et mettez un pouce bleu si vous avez une mère. Pouce bleu si toi aussi t'as une mère. Oh, et Fifou. Ah, c'est Cisayoxy. J'ai reconnu le bruit de tes pas. Oh là là, Cisa, me fonce pas dessus. Alors, même si dit, c'est trop bien. Trash Fall, c'est vraiment extra. Oh! Suis-moi, j'ai une idée géniale! Oh putain, Cisayoxy, tes idées géniales. En général, c'est moyen, hein. Ah, j'ai traversé le comptoir! Je suis un fantôme! Avançons, avançons. C'est par là. Point d'interrogation. La team YouTube Money, Rodin Corps du... Côté du port, la team YouTube Money! Ça doit être leur boss qui arrête YouTube une fois de plus, Osef de tout ça. De toute façon, c'est qu'une bonne de loup. Ils passent du temps à faire du 1v1 Gare du Nord et de la muscu pour la Japan Expo Paris Games Week. Oh putain. Allons-y. Mom City, port. Ah! Oh non, c'est le... Comment ça va depuis le week-end? C'est Brotol! J'arrête YouTube, bien ou bien? C'est notre manière de... à nous de dire bonjour. La team YouTube Money dit pas Trash Fall. Attends, quoi? La team Skull! Enfin, la team YouTube Money! Wesh le Suisse, parlons peu, parlons cul. File-nous tes abonnés. On s'est vu à la convention, si je ne m'abuse, tu te souviens. C'était grave cool, on pouvait dessiner des zizi sur les consoles des abonnés. Wesh, ça va, on vous dérange pas trop. Non mais je rêve, Starfula!
Encore des gens trop perchés dans le YouTube game. Ah bah, Bronol, ouais. Soupir. Allez, let's go, bro. Oh mon dieu. T'es pas prêt pour ma nouvelle combi. Elle pète le swag. Elle pète le swag. Allez. Ah mon dieu. Il est jaune. Il est jaune et il a des poils. Il a un bench Pokémon trash et il a des... Il a des poils sous les aisselles. C'est trop marrant. Il a un Rayquaza tout shiny. Non, il est pas shiny. Il a un Rayquaza niveau 10. Il a Mimic. Oh mon dieu, il est tout jaune. Oh putain, merde, il a copié Cruel qui est super efficace. Qu'est-ce que je viens de faire, le con? Non. Je viens de lui apprendre une attaque trop puissante. Allez, j'ai John Boubacar, ne vous en faites pas. John Boubacar, il est plus rapide. Hop là, vol. Il a Draco Souffle. Allez, vol, t'inquiète. Voilà. Coup critique, mimique. Il a pris vol. Mais je suis plus rapide que lui, donc du coup, si je refais vol moi... En plus, c'est stab et vol, hein. Faut pas que je le prenne, vol, hein. Et voilà, easy. Voilà, Rayquaza. Il s'appelait Rayquaza en plus. Oh, l'XP. Boubacar, c'est vrai. Celui-là n'était pas tout shiny. Eh oui. Remporte 320 Poké-Dollars. Tu vas pouvoir voir mon nouveau lifting. C'est parti, Bronol, j'ai pas peur. Tu vas pouvoir admirer mes sublimes Pokémon, attention. Oh, c'est Bronol! C'est tellement lui! Bronol, le capitaine, il est tellement beau! Bronol! Il va faire un vlog sur l'armée et les kids! Oula! Allez, j'ai Boubacar, moi, ne vous en faites pas! Allez, le sabotage tabé là! Mais. C'est une boule! Il a fait destruction! C'est une boule! Merde, ce Pokémon! Il a explosé sur ma gueule! Et la flamme goûtant maintenant. Allez, on sabote. Il a dynamo point, il a no guard dynamo point, sérieux? Mais c'est bon, c'est bon, c'est bon. J'ai de quoi gérer dynamo point, j'ai yaourtine. Yaourtine petit sombre. Tout va bien. Flamme bleue, et voilà la torche, et c'est parti. Et hop là. Ça fait pas très mal, on sent quand même que c'est pas vraiment son truc. En vrai, Gant Slum fera plus mal, je pense. Ah, il a que des attaques qui sont résistées par... Qui touchent pas Yaourtine. Crofatal, il a Crofatal Dynamo Point, Flamme Bleue. Eh ben alors, Bronol. Hein, on fait moins le malin, Bronol. Oh, la potion, la malhonnêteté. Eh, je suis pas venu ici pour souffrir, ok? Putain, les liquides d'explosion, c'était marrant quand même. John Boubacar monte au niveau 14, Coupe de France monte au niveau 12. Bronol, la victoire t'appartient. Putain, Bronol. Peace, mec. Tu es un dresseur pour le moins intéressant. Ton équipe l'est. Fin preuve pour mon épreuve à la grotte première pro. Il y a une grotte première pro. GLHF. C'est tout lui. C'est tout Bronol. Hein. Il y a une bonne identification des personnalités. Gros tichon. Gros tichon. 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 Otarlette. Vas-y, je le capture. Je le capture. Il a une aura inversée, c'est nul. Bon, on va voir un peu ce qu'il a comme attaque. Il a vive attaque, c'est nul.
Alors, sac, Pokéball. En vrai, on peut avoir une équipe de 6 dans Pokémon Soleil et Lune parce que les il y a le multi-exp. Donc autant avoir plein de Pokémon. Otarlette, on va l'appeler Petrushka. Petrushka, Boubacar. Oh là là, Petrushka. Petrushka. Petrushka! Il a rejoint mon équipe. Elle a marteau bois. Et air d'eau. Putain, c'est ultra fort. Ah, un dresseur! Tu fais du triathlon, essaye de me battre, ok. Easy. Grâce à Boubacar. Kala, le canon veut se battre. Florizard. Ça va, tranquille. J'ai rien pour Florizard. Enfin si, j'ai vol. Il a calque. Il va calquer boost chimère. Ok, John Boubacar est bon. Boubacar et son cousin John Boubacar, évidemment. Ils sont cousins. Feuille magique. Fait mal, mais ça va. Allez, vol. Hop là. Plume au queue. Ça n'a aucun sens. Allez, le vol. Ça tue pas, la puissance. Oh, aïe, 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 aïe. Ok, doucement quand même, hein, s'il te plaît. Allez, feuille magique. Et le vol. Voilà. Eh bah dis donc. Yurtine niveau 14. Petrushka niveau 9. Et il apprend Hydrocanon. Il a Hydrocanon au niveau 9, le Pokémon. Ouais, vas-y, mais je le garde dans mon équipe. Je sais pas. Ce sera peut-être le vote. Pendant ce temps, à Veracruz... Le clone, il est trop beau. C'est quoi ce clone? Il fait des clones verts. Allez, Boubacar. Allez, Boubacar, tu peux le faire. Il est plus confus, voilà, c'est bon. Sacrifice, l'orage, blam, 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 blam. J'espère que je meurs pas du recul. Parce que le Vénard a beaucoup de PV. C'est bon. Renversement. C'est bien, renversement. C'est Topsy-Turvy, là. Inverse tous les changements de stade de la cible. En vrai, c'est cool, ça. Allez, on... Au cas où il y a des Pokémon avec Danse Draco ou je sais pas quoi... On sait jamais. Scorplane rapace. J'ai appris Scorplane avec mon rapace. Je suis tellement hypé. J'ai appris rapace avec Scorplane. Oh là là, mon dieu. Abusé. Tu t'es bien battu. Macuita, tu t'es bien battu. C'était pas un Macuita du coup, mais bon. Oh, un cas d'oiseau. Hein? Cadeau. Cas d'oiseau, titre de toutes vos forces sur votre sac. On dirait qu'il veut que vous le suiviez jusqu'au champ de baie. On s'en fout de ça. Ouais. Oh! Non! Des méchants! Ouais, tes baies sont bien pourries. La team YouTube Monnaie va t'en débarrasser. On est trop frais, plus encore que les baies. Oh, mais là, il est dedans, il est dans le mec. Allez, c'est parti. Les sbires. Oh, yo, yo. Let's go. Avec son poil sous les aisselles. C'est toujours le mec avec Rayquaza? Non, il a Golgopat, lui. Bon, j'ai vraiment pas de chance, hein. Il y a que des Pokémon qui se font casser la gueule par ça. Oh, mais j'ai Petrushka! J'ai Petrushka marteau bois! Il a mis les pièges de roc. Ok, vous êtes prêts? Ouh, il a orage adamantin, attention quand même.
Merde. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Je vais faire renversement. Regardez ma technique. Renversement. Je lui baisse. Du coup, il a moins 2 en défense. Et là, du coup, sacrifice. Il m'a baissé ma défense à chaque fois. Mais le sacrifice, il a moins 2 en défense. Et voilà, Fildron qui utilise son cerveau contre un goal, contre un Pokémon bien trop puissant. Et il me reste un PV. Oh là là, parfait. Eh ben dis donc, heureusement que Boubacar est là. Hein. Ouais mec, Boubacar est dans la place, je me sacrifie pour toi, c'est renversant. Oh. Cisayoxi ? Comment vont tes Pokémon ? Bof bof. Allez, soigne les miens. On va aller faire soigner au centre Pokémon. C'est ce que je comptais faire. Et attends, j'ai... Il y a un croc rasoir. Attendez. Quoi? Mais si je fais évoluer mon en Lugulabre, il va plus apprendre d'attaque, c'est ça, hein? Ouais, je crois que c'est ça. Ça doit être lui. Mon jeu a planté! Heureusement, ça faisait pas longtemps que j'avais sauvegardé. En tout cas, c'est ici qu'on va s'arrêter pour aujourd'hui. Vraiment, c'est un épisode incroyable. Merci à tous d'avoir regardé. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à liker. Abonnez-vous à la chaîne de Pokémon Trash et à ma chaîne si c'est pas déjà fait. Et en attendant la prochaine, je vous dis tchuss.